Ma tante, par exemple, elle sonne les clochers. Elle a deux clochettes comme ça dans sa main. Elle fait clan, clan. Et elle dit des paroles à la gloire de cette femme. Cette femme, elle est forte. Cette femme, elle est courageuse. C'est ce qu'elle dit dans ce... quand elle fait ses mouvements, c'est ce qu'elle dit. Il y a une gardeuse assez comme ça. Elle fait des danses devant cette femme. Elle fait des danses devant la foule. Il y a des danses. Il y a une là qui porte tout le matériel chirurgical de la dame là dans son palier. Un palier que personne ne doit toucher, ne doit même pas toucher la tête. La femme là s'assure la tête. Et quand cette femme là apparaît, celle qui a le palier sur la tête là, c'est que la présidente de la chef là n'est pas loin. Parce que déjà, c'est que les assiettes, maintenant, qui fait les annonciatrices, c'est ça. Voilà. Elle fait quand ça dit que la femme, elle arrive. Mais dès qu'il y a des paroles à sa gloire, donc elle fait les assiettes là, elle fait des danses, elle fait des danses, elle fait des danses, elle fait des grimaces, elle fait ceci, elle fait du bien, elle fait ça. Mais là, la femme qui a le matériel, elle a ça sur la tête. Et la chef, elle est derrière. Quand elle apparaît, tout le monde fait silence. Cette femme-là, elle est aussi une sorcière, une chef-tête des sorciers. Parce que, laissez-moi aller, je vous dis des choses, bien aimé, pour dire que ces choses sont plus pesantes et doivent être proscrites. Parce que, par rapport à la parole de Dieu, elles n'ont pas leur place dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Ce sont des choses qui sont top secrets, ce que je viens de vous dire. C'est des choses top secrets. Mais ils n'ont pas leur place en réalité. Parce que le diable a trahi les gens. Il a envoyé plein de personnes en enfer aujourd'hui. Nous sommes là pour nous imposer à ça. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, les hommes sont interdits d'entrer dans ce camp. Dans leur confrérie, les hommes sont interdits d'entrer. Elle voit une clôture, bien sûr, construite par les hommes. Mais après la construction, quand elle a pris ce quartier là-bas, le quartier général de cette dame, elle n'a pas son droit d'entrer. Et une femme qui doit entrer, c'est une femme qui a été initiée, c'est-à-dire qui est passée aussi par la circoncision, par l'incision qui doit faire son entrée là-bas. Si tu n'as pas fait l'incision, si tu rentres là-bas, automatiquement ils vont t'envoyer. Elle va te faire le truc. Tu n'as pas le droit. Comprenez, c'est des choses graves. Graves. Le diable est un menteur. Un copieur, mais dans le mauvais sens. Et cette dame-là, elle va coopérer le jour qu'elle va amener ces jeunes filles à l'incision. Ce jour est devenu top secret, l'heure est devenue top secret. Parce que paraît-il que, en ce moment précis, si les gens savent ça, si tout le monde sait le jour et l'heure, les sorciers peuvent faire en sorte que son opération échoue sur d'autres personnes. Et ça va lui créer des problèmes. Donc, elle fait appel au plus grand masse du village pour la surveillance. Celui qui est reconnu le plus grand de tous les sorciers du village, de tous les masses les plus sorciers du village, celui qui garde la femme. Il est quelque part là-bas. Mais quand les femmes là sont en train de faire l'incision, lui il va écrire. C'est-à-dire qu'il subit tout le périmètre. Dans un rayon, je ne sais pas combien de mètres. C'est là lui subit. Aucun sorcier qui va là-bas la mourir. Je vous assure que Jésus est venu pour nous apporter la délivrance. Aujourd'hui, plusieurs sœurs, parce que c'est maintenant même que, à force de pression sur ces femmes-là, qu'elles ont un peu diminué. Sinon, avant, si une fois que ta fille n'est pas passée par là, c'est qu'elle n'est pas une fille. Les gens ne peuvent pas la considérer, mais on ne la considère même pas. Tu n'es pas passé dans ce point-là, c'est que tu n'es pas femme.
qui n'est pas encore femme. Il faut passer par là. Et pendant les vacances comme ça, avant, non. Les jeunes filles sont là-bas, en bagaille comme ça. C'était un truc qui était la mode. Parce qu'à la sortie, de ces femmes-là, quand elles ont fait les trucs, elles sont guéries, elles sont sorties, elles sont bien portantes là. Il y a une fête dans la mise. Là, c'est ça. Il faut provoquer ta fille, elle vient d'une bonne famille. Ils vont faire l'argent comme ça, les billets de 10 000. Ils font ça comme ça. Ils mettent ça sur la tête partout. Ils mettent Caroline sur la fille. Ils mettent, je dis pas, attaché par-ci, par-là. Les femmes là sont jolies, toutes les filles sont belles. Et puis elles viennent en dansant. Et les gens regardent. Le diable, c'est un menteur. En faisant cela, ces femmes-là introduisent. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Parce que en faisant cela, ces femmes-là introduisent dans la vie de ces personnes-là des esprits mauvais. C'est pourquoi je parle de ça. Parce qu'elles invoquent le nom des dieux étrangers. Elles invoquent le nom des personnes qui étaient. De celui qui garde le coin est un sorcier. Il a assis sur la sorcellerie. Que ces incantations qu'il fait hantent la vie de chaque femme qui est incisée là. Si tu as à peu près mon âge, que tu sais que tu es passé par travers d'une délivrance réelle. Verset 12. Tout mal parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit né. Pour qu'il soit acquis, a pris l'argent. De tout fils étranger, sans appartenir à ta race, toi Abraham, doit être circoncis. Alléluia. Amen. Au verset 13. Or, on dit quoi? Au verset 13, on devra circoncis celui qui est né dans la maison, celui qui est né, celui qui a plus d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Amen. Dans la chair, elle est l'alliance. Et elle est perpétuelle. C'est-à-dire, éternelle jusqu'à à ce que la personne de Jésus revienne. Cette alliance est là, dans la chair. Et chaque jour qu'un enfant de Dieu est vivant, il voit que son alliance est là. Il y a quelques-uns qui n'ont pas d'alliance peut-être parmi nous, mais ce n'est pas obligé aujourd'hui. Ici, c'est considéré comme une intervention chirurgicale. Il y a des papilles qu'on va opérer, on les met sous le brancard, tout ça. Nous, c'était au coin du mur, on a crié un coup et puis c'est tout. Verset 14. Un mâle circoncis. Qui n'aura un mâle incirconcis. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. L'alliance de Dieu, on n'a pas violé ça. Aujourd'hui là. Tu sais, il y a des gens, quelquefois quand je suis là. Je suis le dernier de tous les pasteurs, ça c'est clair. Mais il y a des choses, quand d'autres personnes vont ici, et puis je regarde, je dis que oui, il faut faire ceci, il faut. Pourquoi on ne fait pas les culte le sabbat, normalement c'est le samedi, pourquoi on fait culte le dimanche et tout ça, que ce n'est pas biblique, que c'est ceci, c'est ceci. Il dit, mais écoutez, quand on veut respecter, la Bible même est claire, quand tu veux respecter, là, il faut respecter tout à la lettre, les 10 là. Tu veux respecter? La Bible me dit que même, pourquoi vous imposez même aux païens là ce que vous ne vous pouvez pas faire. Mais nous, on veut aller sous le joug là, ou rien. On ne nous en veut pas, mais on veut aller là-bas quand même. Il y a des personnes ici qui se plaignent parce que les gens ne font pas plus de samedi. Pourquoi c'est le dimanche? Samedi, c'est pas des frères qui disent. Quand j'entends ça, ça me fait rire. Toi, aujourd'hui, tu peux dire que quelqu'un n'est pas supposé aller tuer. Il y a longtemps, on dit que Daesh a été dans ta vie, que tu n'es pas où tu es. C'est pas possible. Il y a des choses, il faut voir.
la même chose. Alléluia. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne redirez plus votre nom. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne redirez plus votre nom. Amen. Circoncis la vie. Le cœur. Désormais, c'est le cœur qui doit être circoncis. Et non pas la partie masculine de l'homme. C'est le cœur qu'on doit circoncis. Et celui qui fait cette circoncision, c'est Dieu lui-même. Ce n'est plus les hommes qui le font. Personne ne peut circoncis le cœur de quelqu'un. Si ce n'est Dieu le créateur. Alléluia. On est dans Deutéronome au chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Amen. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. C'est Dieu qui fait cette circoncision. Qu'est-ce qu'un cœur circoncis? Oui. Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur circoncis. Qui d'autre peut me donner la définition d'un cœur? Quand on dit le cœur est circoncis, il y a un cœur qui est pur. Oui. Un cœur qui obéit à l'Éternel, qui obéit à son, qui est sur le cœur de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est un cœur qui est circoncis. Un cœur que Jésus est fils, un cœur qui est réel, un cœur qui bannit la haine, mais qui est rempli d'amour, est un cœur qui est circoncis. Il faut circoncis le cœur. Et c'est Dieu qui opère cela. Jérémie chapitre 9, verset 26, verset 25. Jérémie. Chapitre 9, verset 26. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans le cœur. Alléluia. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. C'est-à-dire que tous les cœurs qui ne sont pas circoncis. Donc, peu importe que tu es circoncis, les parties qui volaient, mais que ton cœur demeure hors de la parole de Dieu, tu seras châtié. Tu seras châtié. Parce que celui, la circoncision que Dieu demande, c'est la circoncision du cœur. Un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui est rempli d'amour pour les deux personnes, un cœur qui partage. Un cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Un cœur qui est obéissant à la parole. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui aime Dieu. C'est le cœur que Dieu veut. Alléluia. Mais Dieu châtiera tout cœur qui est incirconcis, qui ne craint pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui rejette Dieu. Ce cœur-là sera rejeté par Dieu. Vous avez appris dans la circoncision de la chair que la parole de Dieu dit que toute personne qui sera incirconcis du milieu du peuple sera exterminée. Ici, il a dit toute personne qui ne sera pas circoncis du cœur. Alléluia. Mais le verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique, la loi,
C'est-à-dire que si tu respectes les 10 commandements, ta circoncision, elle est utile. Elle est à sa place. Elle est selon les écritures, c'est-à-dire selon les lettres. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tant bien même tu es circoncis, ta circoncision est comme si tu n'étais pas circoncis. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Le verset 26. Si donc l'incirconcision, si donc l'incirconcis observe les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Point d'interrogation. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul s'adresse aux Juifs. Il s'adresse à ceux qui disent que les païens qui sont convertis ne sont pas circoncis. Il dit même, vous-même qui êtes circoncis, si vous ne respectez pas la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez incirconcis. Et ces personnes que vous dites aujourd'hui qu'ils sont incirconcis, parce qu'ils sont des païens. Si eux, ils respectent la parole, leur incirconcision devient circoncision. C'est comme si c'était circoncis. Parce que la vérité de la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est-à-dire que qui a le cœur circoncis. C'est ça. Celui qui l'est intérieurement. Le cœur est à l'intérieur. Donc celui qui est circoncis intérieurement, celui-là est juif. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Donc si quelqu'un est circoncis dans son cœur, ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire que lui aussi est juif, descendant d'Abraham, de qui nous sommes tous descendants. Selon l'esprit et non selon la lettre. C'est-à-dire selon, non seulement les, ça c'est selon l'esprit de Dieu. Et non pas selon la lettre, selon, c'est-à-dire que selon les paroles écrites. Amen. Voici ce qui est aujourd'hui la circoncision, qui est le symbole de l'alliance avec Abraham, qu'on appelle l'alliance abrahamique. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout pour prier. Gloire au Seigneur. Béni soit ton Saint-Père. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons entendue. Nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons circoncire nos cœurs. C'est la circoncision que Dieu demande aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas à la fin de tout temps. Que ton Dieu se dit. Et moi, la véritable circoncision de ton cœur. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui reçoit la parole, qui la met en pratique. Un cœur circoncis, c'est celui qui obéit à l'autorité que Dieu a établie. Un cœur circoncis, c'est celui qui aime la parole de Dieu et qui s'attache à elle. Un cœur circoncis, c'est celui-là qui cherche Dieu. Qui n'a pas d'autre argument. Mais qui cherche Dieu de tout son cœur et qui s'attelle à faire la volonté de Dieu. C'est celui-là qui se loigne de ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça un cœur circoncis. Un cœur qui aime Dieu.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia.